Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, il sera question de maquillage. Alors bon, c'est ça, vous le savez déjà. Alors être enceinte, des fois c'est pas évident. Des fois on a juste le goût de rester à la maison en pyjama et ne rien faire. Alors une fois de temps en temps, il faut prendre la peine de sortir de chez soi un peu, de s'habiller puis d'arranger son look. Alors pour ça, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un petit look de maquillage que j'ai réalisé dernièrement. Alors je nettoie mes sourcils. En fait, utiliser un cache-terne, ça permet d'avoir les sourcils faits dans le fond, comme si on les avait faits au fil, mais dans le fond, c'est juste une illusion. Alors, j'ai utilisé comme base de maquillage mon crayon de chez NYX, le 604 Milk Lait en français. Alors, vous le connaissez déjà, j'ai déjà utilisé ce crayon plusieurs fois. Alors, la petite palette que j'utilise vient de NYX. Et dans le fond, comme couleur de transition, j'utilise un brun pâle de la palette. Et ensuite, j'ai utilisé une couleur orangée qui se trouve au milieu de la palette. Vous la voyez présentement. Ben, c'est comme un orangé tiré vers le pêche un peu. Et ça s'est fait vite. J'ai perdu le bout où est-ce que je l'appliquais. Mais écoute, c'est juste une fois que la couleur de transition a été appliquée, j'ai appliqué une autre couleur, brun foncé, juste en bas. Puis ensuite, j'ai appliqué le orangé. Et bon, par la suite, vous me voyez en train d'appliquer mon fond de teint. Alors, ce fond de teint, il vient de chez Maybelline. Je viens de commencer à l'utiliser. Je l'aime beaucoup. C'est le True Match, je pense. Alors, je vous mettrai la description du produit. Alors, le petit cache-cerne que j'utilise vient de chez Maybelline aussi. J'aime beaucoup ce cache-cerne, vraiment couleur café. Ça fait un petit bout que je l'utilise et sincèrement, j'ai pas le goût de le lâcher parce qu'il fonctionne bien. Alors, pour illuminer mon teint un peu, écoute, avec la fatigue, le manque de sommeil déjà se fait voir. Alors, il faut cacher tout ça. Alors, j'utilise la poudre de banane après, tout de suite après avoir appliqué le cache-cerne. Alors, c'est ce qu'on appelle le fameux contouring. Alors, j'en fais un petit peu, vraiment dans l'idée de donner un petit peu de vie à ce visage. Alors, ce que je fais autour du visage présentement, c'est que j'utilise ma poudre de chez Ben Nye. C'est une poudre foncée, c'est Ebony. Bon, je vais un peu ça et là, je vais et je reviens. Mais quand vous faites ça à la maison, prenez votre temps, puis il n'y a pas d'ordre là, faites ça comme ça vient. Alors, j'ai utilisé mon mascara sur mes cils. Alors ensuite, vous me voyez toute cette poudre que j'ai appliquée. Il faut prendre le temps, dans le fond, de passer le pinceau pour uniformiser le teint. L'idée de ça, c'est qu'il ne faut pas que toutes ces poudres-là puissent se voir l'un après l'autre. Alors, il faut prendre le temps là, de bien les mélanger. Alors, je passe un crayon sur mes lèvres qui vient de chez L'Oréal. Alors, je vais y aller avec quelque chose d'un peu discret. Alors, je vais opter pour un gloss. Alors, option brillant à lèvres, vraiment pour quelque chose de plus neutre. Alors, voilà le look. J'espère que ça vous plaît. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur Lookbook Maternité, allez voir ça. Sinon, je vous remercie et à la prochaine.